Son travail et sa maison sont ici, Amanda. Et quand on vient le voir, on est aussi chez nous. Ah non, c'est pas chez moi ici. Chut. Ça ne sera jamais. Non mais tu comprends pas. Ça me fait chier d'être là. Arrête d'être vulgaire et baisse d'un ton. Tu penses un peu à moi. La salle de bain est libre. Pourquoi vous divorcez pas tous les deux? Allez, viens, Freddy. Ça devient vraiment très dur, là. J'aimerais bien qu'on ait une discussion. Comment ça, une discussion? Je suis pas en train de te parler, là. Ça me ferait plaisir de savoir ce que tu penses. Ce que j'en pense, c'est que j'ai une demi-heure de retard. Alors explique au moins à ta fille pourquoi tu as accepté ce travail ici. Oui? Puisque tu décroches, tu dois être Dennis. Je prends ton silence pour un oui. Je m'appelle Jeff Talley, Dennis. Je suis de la police de Bristow Camino. C'est toi qui commandes là-dedans? Ouais. C'est moi, ouais. Très bien. Alors dis-moi qui a tué mon policier. C'est toi ou Kevin? Non! Non, non! Ne mets pas ça sur le dos. Je veux parler à Monsieur Smith une minute. Je veux entendre de sa bouche que tout va bien dans la maison. Va te faire foutre. C'est moi le chef ici. Alors tu me parles à moi. Exact, Dennis, c'est toi le chef. Je veux un hélico pour qu'on se tire d'ici. Je ne suis qu'un gratte-papier ici, Dennis. Fais venir un hélico avant que je fume tout le monde. Du calme, Dennis, du calme. Tu dis que t'as pas tué mon policier. C'est bon, je te crois. Mais personne ne pourra t'aider si tu tires sur quelqu'un. C'est clair? Donne-moi juste ce que je te demande. Je ne suis pas le boss, Dennis. Alors trouve-le-moi! Salut. Comment ça va? C'est moi. Alors vous êtes bien arrivé? En fait, on est toujours chez toi. Après que tu sois parti, on s'est encore disputé. Amanda a allumé la télé et on t'a vu aux infos. Ouais. Le shérif a repris l'affaire. Moi, je suis plus sur le coup. Jeff, je sais que tu es très occupé. Mais est-ce que tu peux passer nous voir? Oui, bien sûr, mais... Je dois d'abord passer chez Carole. Elle avait un enfant. C'est pas de ta faute si elle est morte, Jeff. Tu le sais bien. C'est pas ta faute. Ouais. La dispute, c'était pourquoi? Oh, toujours la même chose. Elle a peur qu'on divorce. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Jay? T'as envie de divorcer? Non. Bien, moi non plus. Bon. Je vais pas tarder. Ok. Embrasse Amanda. Promis. Merci, salut. Je t'aime. Je veux voir ma famille.